J'ai vu la misère de mon père.
à la page 36 de vos carnets, mystérieuse présence de l'amour, c'est ce qui fait que nous sommes saints, purs devant lui. Tous ceux qui sont ici, la paix, la paix, à qui vient vers Jésus-Christ, la joie, la joie, à qui s'ouvre son esprit, l'amour, l'amour, la paix, la joie, l'amour de notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. La joie, si tu sens la dépression, l'amour, l'amour, la paix, la joie.
tout en voyage. L'amour, l'amour, la paix, la joie, l'amour de notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Température. L'année passée, il y avait un gros soleil, c'était beaucoup plus fatigant. Aujourd'hui, c'était merveilleux. Pas vrai? On va lui chanter qu'il est grand, qu'il est beau. Prenez à la page 40 un chant que vous aimez, je suis sûre. Le psaume de la création. Cieux devant toi, splendeur et majesté, page 40, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très
tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières.
Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Si vous voulez, on va laisser monter notre louange, tout le monde ensemble. Béni sois-tu. On vient de la chanter, mais on va la dire au Seigneur, chacun personnellement. Une louange au Seigneur. Rendons-lui grâce pour quelque chose. Puis j'espère qu'on ne sera pas muet. On a bien des raisons à rendre grâce au Seigneur. Alors, tout le monde ensemble, comme un concert de louanges. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur, tu es notre Père. Merci pour ta présence dans ta création. Louange à toi pour toutes les merveilles que tu as faites, Seigneur, durant ce temps. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre Père et tu nous aimes. Tu nous as donné une belle journée, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es grand, tu es bon, Seigneur. On est un peu comme la nouvelle Jérusalem, vous ne trouvez pas? Mais il semble que dans le ciel, ça va être de même. Puis on va-tu en chanter des affaires, hein? Ça va-tu être beau dans le ciel? Vous aimez chanter? Savez-vous que c'est la plus grosse chorale avec laquelle on a chanté, hein? Je pense qu'on est une vraie belle grosse chorale, bien drillée. Bon. Si vous voulez, on va chanter un chant à la louange de la Nouvelle Jérusalem. C'est un chant à partir de la parole de Dieu, à la page 18. Jérusalem. On pourrait dire Canada. On pourrait dire Québec. Ontario. Quitte ta robe de tristesse. Avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il me semble qu'on n'a plus de raison d'être triste. La religion n'est pas morte. Puis le bon Dieu n'est pas mort, puis les chrétiens non plus. Hein? Pas vrai? Ça a été beau dans l'air, dans les rues d'Ottawa et de Hull aujourd'hui. On rend gloire au Seigneur. C'est notre pays qui se réveille. C'est nos laïcs qui se réveillent. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on prend debout, resplendis. Quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. OK. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Nous avons vécu de belles choses jusqu'à maintenant. Nous avons vécu de belles choses cet après-midi dans cette expérience de marche pour Jésus. Si tu as trouvé quelque part le trésor d'Évangile, ne passe pas ton chemin. Ne laisse pas s'évanouir cette grâce qui te vient. Retiens-le, s'y attachera ton cœur.
allez simplement accueillir ce chant et cette expérience qui vont se vivre devant vous pour en faire une prière, pour tourner votre cœur vers Dieu. Si tu as trouvé quelque part le trésor d'Évangile, ne passe pas ton chemin, retiens-le, s'y attachera. Nous allons chanter à la page 16 « Comme le Père m'a aimé, je vous aime ». Et c'est à chacun de nous que le Seigneur redit ça ce soir, après la belle expérience que nous avons vécue et l'expérience dont nous avons entendu parler. « Comme le Père m'a aimé, je vous aime ». Demeurez dans mon amour et ma paix.
peur.